Imaginez, deux amis, étudiants à l'université, tous les deux passionnés d'aventure, de navigation, de pêche. Donnez-leur un canoë, une tente, quelques réserves de nourriture, un fusil. Emmenez-les sur un fleuve au nord du Canada. Ce sera le voyage de leurs rêves. Maintenant, allumons un incendie, un énorme incendie. Les garçons le sentent, puis le voient en grimpant en haut d'un arbre. Ils doivent fuir. Ils n'ont que quelques jours pour descendre le fleuve au lieu des plusieurs semaines prévues. Pire, en amorçant la descente, ils entendent un couple se disputer. Ils font demi-tour pour les prévenir, mais ne trouvent que l'homme. Que s'est-il passé? Échapperont-ils à l'incendie? Pour le savoir, laissez-vous tenter par ce très beau roman de Peter Heller, d'une grande maîtrise, où la nature est autant un havre de paix que le lieu de toutes les menaces.